Nommé pour le titre de meilleur joueur français de l'étranger. Ils vont apparaître sous nos yeux. Voici les noms de tous ces joueurs. Ils sont cinq. On va les citer par ordre alphabétique avec Eduardo Camavinga du Real Madrid, Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid, Mike Maignan de l'AC Milan, William Saliba d'Arsenal et Aurélien Tchouaméni, Real Madrid également. Un trophée très important effectivement dans ces trophées UNFP 2024. Découvrez à présent donc qui succède à Karim Benzema. Il est là le meneur d'hommes, il crée du danger dans la surface de réparation. Il crée du danger, mais surtout il est décisif. Antoine Griezmann. Bienvenue. Merci Antoine. Écoute, on est là parce que c'est toi qui nous as fait venir, et surtout les joueurs du championnat de France qui t'ont élu meilleur Français évoluant à l'étranger. Ben, merci beaucoup. Merci à tous les joueurs qui ont voté. Très heureux, très fier, parce qu'il y a de très grands joueurs français à l'étranger. Donc, on fait les choses bien sur le terrain et en dehors, et ce trophée le prouve. Donc, continue comme ça. Comme je dis toujours, sans mes coéquipiers, je suis personne. Donc, voilà. Très heureux, ce trophée, il est pour eux aussi. Que ce soit les joueurs de Ligue 1 ou Ligue 2, ils me donnent énormément de plaisir devant ma télé parce que je les suis énormément. Donc voilà, je leur remercie. Et pour moi aussi, ils me font kiffer, ils donnent le spectacle à tous les supporters français sur les pelouses. Donc voilà, continuez comme ça et encore merci. Antoine Griezmann, élu meilleur joueur français de l'étranger, qui succède donc à Karim Benzema. Bravo pour ce trophée.